bienvenue à l'Institut des Cultures d'Islam pour cette 5e édition des Veillées du Ramadan. Cette année, nous inaugurons en partenariat avec le British Council un cycle de débats novateurs baptisé Restons éveillés, qui chaque soir s'intéressera à des questions liées à l'islam tel qu'il se vit en Europe. Ce soir, la problématique est quel est l'apport de l'immigration dans la construction européenne. Alors, pour aborder cette question, nous accueillons Catherine Little-Vinden, directrice de recherche au CERI, le Centre d'études et de recherche internationales, spécialiste des flux migratoires, des politiques migratoires et des questions de citoyenneté. Elle a notamment publié « La globalisation humaine » au Crédit universitaire de France. Signalons également « La bourgeoisie » avec Rémi Leveau, paru aux éditions du CNRS en 2007. Et puis « La classe mondiale des migrations » aux éditions Autrement. Pascal Blanchard, historien, chercheur associé au CNRS, président du groupe de recherche HAC, spécialiste du fait colonial. Il a co-dirigé notamment Rupture postcoloniale, les nouveaux visages de la société française, paru à la Découverte. Il a également co-dirigé La guerre de mémoire, la France et son histoire, également à la Découverte. Nicolo De Giorgis, photographe italien, qui expose son œuvre ici à l'Institut des Cultures d'Islam, une exposition intitulée L'Islam caché. Il mène des recherches sur l'immigration en Italie à la faculté de sciences politiques de l'université de Trieste, des recherches plus précisément sur la situation de la communauté musulmane en Italie. Triss El-Yazami, déléguée générale de Générique, une association spécialisée dans l'histoire des étrangers et de l'immigration en France, rédacteur en chef de la revue Migrants. Il a été, Driss El-Yazami, vous avez été commissaire de plusieurs expositions, dont une qui s'est tenue à Paris en 2009, Génération, un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France. Et puis parmi vos publications, Le Paris arabe, deux siècles de présence des Orientaux et des Maghrébins, avec Pascal Blanchard. Signalons également que vous avez été vice-président de la LDH, la Ligue des droits de l'homme, et puis vous êtes un ex-membre du GELD, le groupe d'études et de lutte contre les discriminations. On accueille également la danseuse Ella Fatoumi, qui est co-directrice avec Éric Lamoureux du Centre national chorégraphique de Caen, et puis Amir Tevebeshirovic, rédacteur en chef du magazine en ligne Bosnia Daily de Sarajevo. Bonsoir à tous et merci d'être là pour cette discussion. Alors, en quoi l'immigration, notamment en provenance des pays musulmans, c'est intitulé, a-t-elle contribué à donner un nouveau visage à l'Europe? Comment a-t-elle contribué à l'édification de l'identité européenne? C'est vrai qu'à première vue, ce sujet n'est pas trop dans l'air du temps et un peu en décalage avec tout ce qu'on entend, débat sur l'identité nationale, expulsion, déchéance de nationalité. Dans les discours dominants, dans les discours politiques encore plus, le fait est que l'immigration c'est quelque chose de globalement indésirable. Les différences culturelles sont assez peu tolérées et les affirmations identitaires, revendications identitaires encore moins. Pourtant, malgré toutes ces résistances, le fait est que l'immigration a contraint les sociétés d'accueil à composer avec les différences, parfois à redéfinir les conditions du vivre ensemble et à s'interroger sur leur identité, parfois à se crisper sur une identité mythique. Alors ce questionnement semble ressurgir aujourd'hui. Il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau parce que déjà l'histoire des relations entre l'Europe et l'immigration est une histoire longue. Là, je me tourne tout de suite vers l'historien que vous êtes, Pascal Blanchard. D'abord, on peut dire que les immigrés ont tout simplement contribué déjà à la victoire des Alliés. C'est le premier pas vers la construction européenne. Ils ont aussi reconstruit l'Europe après les deux guerres mondiales.
Oui, alors on ne peut pas résumer aussi ça aussi simplement. Je veux juste le complexifier un tout petit peu pour bien replacer ça dans un contexte sur le temps un peu long sur qu'est-ce que l'Europe dans sa relation au monde. En gros, le 18e siècle est un siècle où l'Europe se bat entre elles pour arriver à se définir en termes de frontières, en termes d'identité. On a connu des moments d'union, on a connu de grands empires qui ont tenté de fédérer l'Europe, mais l'Europe, d'une certaine manière, au 18e, commence à fixer des zones, des frontières que l'on peut qualifier de nationales. Au 19e, l'Europe va se définir à travers autre chose qu'elle-même, en se construisant à l'intérieur, elle va se définir en conquérissant le monde. C'est-à-dire que c'est une Europe conquérante, une Europe des empires coloniaux, qui va se bâtir jusqu'à la conférence de Berlin, va même se partager une partie du monde, et va d'une certaine manière régler ses problèmes internes, ses problèmes d'identité interne, à travers, en gros, la conquête de 4/5 de la Terre. Et puis, le 20e siècle, c'est complètement autre chose. C'est ces mondes autres, que dans le 1815 on a colonisé, qui vont revenir vers l'Europe à travers le phénomène migratoire ou le phénomène militaire. Et donc, par définition, d'ailleurs, quand on dit que les immigrés, donc plutôt les coloniaux d'ailleurs à l'époque, les immigrés ont contribué à deux victoires, ils ont aussi largement contribué à la construction des empires coloniaux. Je rappelle que le Maroc a été en grande partie conquis aussi par les tirailleurs sénégalais de l'armée française, Madagascar, idem. C'est donc une histoire militaire qui commence bien avant les deux conflits en Europe et qui va avoir une répercussion, puisque en gros, pour faire de très simple, le premier quart du XXe siècle va voir la France et l'Angleterre faire appel aux colonies, faire appel à des hommes des colonies, pas seulement d'ailleurs, puisqu'on fera aussi appel à des ouvriers, par exemple chinois, qui viendront à ce moment-là, pour venir combattre à ses côtés. Et d'une certaine manière, ce flux migratoire d'abord de militaires va s'accompagner aussi d'un flux migratoire de travailleurs pendant les conflits et va complètement traversé après le XXe siècle. Donc c'est sur une histoire un peu plus longue qu'il faut replacer cette relation à l'identité de l'Europe et à sa construction par rapport aux ailleurs. Et là, je parle des ailleurs non européens, puisqu'on sait aussi que l'Europe en tant que telle est aussi un énorme espace de déplacement. C'est-à-dire que le flux migratoire du XIXe, il se passe d'abord à l'intérieur de l'aire géographique, sauf pour quelques populations limitrophes, mais il se passe d'abord à l'intérieur de l'aire géographique. Donc en permanence, l'Europe est en mouvement. Soit elle est en mouvement par rapport à elle-même, soit elle est en mouvement vers l'ailleurs, soit elle est en mouvement par rapport à ceux qui viennent d'ailleurs. Et en permanence, la construction de l'identité européenne, si tant est qu'il y ait une identité européenne, du moins le questionnement sur une identité européenne, plutôt, se fait toujours avec ce rapport à l'ailleurs. Un ailleurs qu'on va bâtir, un ailleurs qu'on va conquérir, ou un ailleurs qui vient chez nous. En permanence, pourquoi ? Alors, je vais faire une parabole pour essayer d'expliquer ça. Les Suisses, en 1896, n'arrivent pas à se définir pour une grande exposition qui aura lieu à Genève. Les Suisses sont très embêtés, qu'est-ce qu'un Suisse ? Donc entre Suisses, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et la meilleure façon d'arriver à expliquer aux Suisses qu'est-ce qu'un Suisse dans une exposition suisse en 1896 à Genève, c'est de construire un village noir qu'on fait venir en expliquant aux Suisses, vous êtes tout sauf ça. Et là se construit l'identité des Suisses. Parce que l'altérité, ça sert aussi des fois à bâtir, presque comme une manière d'autodéfense, sa propre identité. Et d'une certaine manière, vous dites qu'on est dans une actualité difficile, mais justement cette actualité difficile, c'est qu'on est dans l'œil du cyclone d'une construction parce qu'il y a des mouvements. Parce qu'il y a des déplacements, parce qu'il y a des questionnements. Et que c'est justement parce qu'il y a ces questionnements que nous sommes véritablement à un moment, il faut arriver à les comprendre et en débattre. Et nous sommes peut-être à la fin d'un cycle, certes migratoire, qu'a connu peut-être le XXe siècle avec la Première Guerre mondiale, donc ça remonte quasi à un siècle, mais en même temps, on est aussi à une nouvelle époque où on se pose dans des pays nationaux, on a une sorte de retour vers des débats sur la nation. Qui dépasse largement cette fameuse notion d'identité européenne, où on voit bien que dans une bonne dizaine de pays européens, des angoisses montent. Et d'ailleurs, ces angoisses liées à la nation, liées plutôt à l'identité nationale qu'aux identités européennes, je le dis au pluriel, sont souvent liées justement à cette relation à l'ailleurs. D'une certaine manière, on est en train de vivre ce que certains historiens américains appellent actuellement les éclaboussures de l'Empire, ou des empires, qui seraient aujourd'hui en train de se reconfigurer dans des peurs nationales. Prenez la Belgique, prenez la Hollande, prenez la Suisse. La France, nous vivons exactement ce miroir inversé de ces vieux Suisses qui se regardaient dans le village noir. Et bien nous, en regardant les autres, on essaie d'arriver à comprendre qui on est en réalité dans cette ère européenne, mais aussi dans cette ère nationale. Alors dans le cas de la France, on est passé, pour reprendre votre formule, du rayonnement de l'Empire colonial, aujourd'hui à donc à ce repli sur le débat sur l'identité nationale. Catherine de Vanden, c'est